Et si on parlait jeux vidéo ? Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté l'histoire du tout premier Super Mario Bros, l'énorme succès de Nintendo qui propulsa Mario au rang de superstar. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième épisode de cette série, enfin, des deux suites. Car oui, il existe deux versions différentes de Super Mario Bros 2. Pourquoi me diriez-vous ? Réponse tout de suite sur cette anecdote assez peu commune de l'histoire de Mario. Super Mario Bros 2, dans sa première version, est sorti au Japon sur la console de salon Famicom Disk System, un an seulement après son légendaire prédécesseur. Le jeu reprend les mêmes graphismes, la même musique et ajoute un niveau de difficulté vraiment élevé. Champignons empoisonnés, sauts de la mort, ennemis plus agressifs, warp zone qui vous ramène en arrière, bref, on vous met constamment des bâtons dans les roues. Malgré tout, Super Mario Bros 2 devient le meilleur vendeur du Disk System avec 2,5 millions de copies vendues. Suite à son succès au Japon, Super Mario Bros 2 est envoyé chez Nintendo of America pour évaluer son potentiel sur le sol américain. Avec ses graphismes dépassés et sa difficulté extrême, la branche américaine de Nintendo craignait vraiment que ce jeu freine la montée en puissance du personnage de Mario. Du coup, leur souhait était qu'une suite plus accessible soit mise en chantier. Mais il n'était pas possible de refaire un jeu complet et abouti en très peu de temps. À la même époque, Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, avait fait partie de la conception du jeu Yumei Kojo Doki Doki Panic. A l'origine, le jeu Doki Doki Panic est un élément de la promotion développée par Nintendo pour le festival de films Dream Factory de la compagnie Fuji Television. Cet événement d'envergure, constitué de concerts, d'émissions spéciales et de concours de costumes, annonçait la nouvelle génération des programmes de la chaîne. Doki Doki Panic est un jeu de plateforme se déroulant dans un univers oriental et mettant en scène 4 héros, Imagine, Maman, Lina et Papa. Tous issus d'une émission japonaise pour les enfants diffusée sur la chaîne Fuji TV. Comme ces 4 personnages n'étaient pas destinés à être réutilisés dans d'autres jeux, Nintendo prit la décision de les remplacer par des personnages de l'univers de Mario. Ainsi, Imagine est devenu Mario, Maman a été transformé en Luigi, Lina est devenue la princesse Peach et Papa fut changé en Toad. Et voilà, la nouvelle version de Super Mario Bros était réalisée, facile et rapide. Les personnages de Mario ont conservé les caractéristiques des personnages originaux de Doki Doki Panic. Et ce qui est vraiment plus étonnant, c'est de voir que ces caractéristiques sont toujours bien présentes aujourd'hui. Mario est le plus équilibré des 4, Luigi saute plus haut que les autres, Peach peut planer sur de courtes distances, et enfin, Toad est plus fort et plus rapide, mais ne saute pas très haut. À part quelques éléments scénaristiques, graphiques et musicaux, Doki Doki Panic et le Super Mario Bros 2 que nous avons connu en Europe et aux États-Unis sont donc quasi identiques. Voici l'histoire du jeu adapté à l'univers de Mario. Mario fit un rêve étrange dans lequel il grimpe dans un escalier et franchit une porte. Il se retrouve alors dans un monde appelé Subcon et entend une voix l'implorer de sauver son monde du méchant Wart. Puis Mario se réveille. Le lendemain, au cours d'une sortie avec son frère Luigi, la princesse Peach et Toad, il raconte son rêve. Alors qu'ils font un pique-nique sur une montagne, ils aperçoivent une caverne. Ils y entrèrent et, à leur grande surprise, ils voient un escalier menant à une porte mystérieuse comme dans le rêve de Mario. Les héros franchissent la porte et se retrouvent dans le pays des rêves où ils devront vaincre Wart et ses sbires. Au niveau du gameplay de Super Mario Bros 2, la plupart des ennemis sont vaincus en leur jetant un légume, un objet ou un autre ennemi. Mario et ses amis ne peuvent pas les tuer en leur sautant dessus, ça sera d'ailleurs le seul jeu de la série à ne pas utiliser ce principe. Pour mieux convenir aux joueurs occidentaux que nous sommes, considérés comme moins doués, la difficulté du jeu a été revue à la baisse lors de sa transformation. Par exemple, si à la base il fallait finir chaque niveau avec chaque personnage pour avoir la vraie fin de l'histoire dans le jeu original, il suffit de finir chaque niveau avec un seul personnage dans le jeu revu et corrigé. Grâce à son succès, cette version que nous avons connue de Super Mario Bros 2 fut également parue au Japon en 1992 sous le nom de Super Mario USA tout simplement. Et quant à la version originale japonaise de Super Mario Bros 2, elle fut disponible en Amérique et en Europe sous le nom de Lost Level, que l'on a pu retrouver notamment dans la compilation Super Mario All-Star, sortie en 1993 sur Super Nintendo. Et voilà, vous savez désormais pourquoi il existe deux versions bien différentes de Super Mario Bros 2.